Champagne dans la cuisine, face à l'évier, face à la mer. Week-end en Bretagne, c'est mon anniversaire. Où sont les assiettes? Où sont les couverts? Elles sentent pas un peu bizarre, les frères? Et le temps passe d'hier en demain. Ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Même les pompiers, au regard si franc, sur un calendrier, n'ont rien de rassurant. Bon anniversaire. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'ai chanté des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. J'ai 40 ans et tout le temps qu'il faut pour voir passer ma vie. J'ai des amis, je suis heureux, évidemment. Ah oui, c'est la poursuite du diamant vert, non, c'est ça, alors les gens. Il y a que de réunir nos deux familles parce qu'on n'est pas mariés, donc c'est la première fois qu'on réunit comme ça nos deux familles. C'est vrai. Voilà, je suis contente, on est à belle. Alors Nelly et Guillaume, c'est vos 40 ans alors aujourd'hui. Bon, quelle impression ça vous fait alors de franchir un nouveau cap, de basculer dans une nouvelle décennie? Et dites-nous un petit mot sur cette journée et sur bah, un petit peu votre sentiment du moment. Ah bah, le sentiment du moment, c'est surtout d'être content d'être avec la famille réunie. Ouais, une belle journée, tous ensemble. Après, le cap des 40 ans, bah, on se dit qu'on est à la moitié de la vie et qu'on se dit bah, si on reste encore une moitié, c'est bien. C'est-à-dire que si on n'est que à 50% et qu'il me reste encore 50%, je serai content. Voilà, et puis ce sera sans doute une année de changement de vie aussi, de renouveau, de nouveaux projets. Un cap, oui, c'est ça. C'est le cap des 40 ans, comme on dit. Voilà, je suis en plein dedans. Vous êtes contente de cette journée? Ouais, super contente de cette journée. On a eu le soleil comme on l'a demandé. Et du coup, content d'avoir réuni nos deux familles aussi. Vous êtes contente de cette journée? Mais bien sûr que nos invités ont été à la hauteur. Et toi, Nelly, alors, parle-nous à ton tour un petit peu de...
de la façon dont tu vois un petit peu ce cap des 40 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Écoute, je me sens épanouie comme jamais, donc déjà c'est pas mal. Donc je pense que c'est plein de promesses et c'est bien d'avoir 40 ans. Bon, c'était sympa d'avoir pu réunir, comme tu as dit, les deux familles, d'avoir tous vos proches ou presque autour de vous aujourd'hui, vos enfants, hein, vos parents aussi. Oui, c'est vrai qu'on aurait aimé faire plus, avoir les cousins, les cousines. Et... Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est pour les 20 ans de notre amour, peut-être. Ouais, peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Enfin, mais demain, on remet ça avec les amis, donc de toute façon, voilà. Ça sera aussi. Bon, c'est pas terminé. La fête n'est pas terminée. Un dernier petit mot de remerciement à quelqu'un en particulier ou à tout le monde ? Et bah à toi, oui. Déjà à toi, le journaliste attitré, qui est là pour immortaliser cette journée, donc c'est super, t'es pas obligé. Hein. Donc merci à toi, et puis on est content. Voilà, c'est bénévole ou tu nous envoies la facture après ? Et puis à toute la famille, tous ceux qui sont venus, et puis ceux qui n'ont pas pu venir aussi du reste, mais voilà. Merci à tout le monde pour cette belle journée, c'était bien sympa. Allumons à feu avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça, réduisons en cendres les blessures, réduisons ensemble nos fractures, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie. Yeah.
I must stay clear of. Don't